Comment impressionner un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler de comment impressionner un homme. Alors, beaucoup de femmes ont besoin d'admirer, de respecter, d'être impressionnées par un homme pour tomber amoureuse ou pour avoir un rendez-vous avec lui ou pour le kiffer en général. On peut partir du principe qu'un homme a quand même besoin d'être un petit peu admiratif ou impressionné par une femme pour tomber amoureux en tout cas. Je ne dis pas que pour coucher avec elle ou pourquoi il a besoin d'être impressionné à tout prix. Il suffit que la fille lui convienne, c'est la psychologie des hommes. Maintenant, pour qu'un homme tombe vraiment amoureux et peut-être s'engage vraiment, il vaut mieux qu'il soit quand même un petit peu admiratif ou impressionné sur certains points. Il ne s'agit pas de l'impressionner au point de l'intimider ou de lui filer des complexes, mais il s'agit quand même d'avoir des qualités qu'on peut admirer chez vous. Je vous explique tout juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de supplier le mec, de vous kiffer, on ne supplie pas, on devient la meilleure version de soi-même et ça va faire tomber des hommes amoureux de vous qui seront dignes de vous. Donc, la première chose qui peut impressionner un homme, c'est l'intelligence d'une femme. L'intelligence à condition de ne pas faire étalage de votre intelligence. C'est comme un homme qui passe son temps à se vanter, même s'il a bien réussi dans la vie, toute sa vantardise, c'est fatigant. Même si une femme est intelligente, elle n'a pas à faire étalage. C'est que la culture, c'est comme la confiture, on dit. Tu vois, moins on en a et plus on l'étale. Donc, en fait, il y a beaucoup de femmes aussi qui donc, font étalage, sont dans la vantardise, Ce n'est pas forcément un signe de bonne intelligence. On peut être intelligent de différentes façons dans la vie, mais faire étalage de son intelligence, c'est jamais très bon. La deuxième chose à éviter également, c'est de ne pas comprendre qu'il y a différentes formes d'intelligence. Et en fait, je veux dire, Océane des anges de la télé-réalité, machin, à mon avis, dans son référentiel, elle est très intelligente et moi, je suis un con. Sauf que dans mon référentiel, c'est le contraire, tu vois. Elle l'a dit dans une vidéo d'ailleurs. Et donc, en fait, moi, quand je la vois, j'ai pas envie de lui ressembler. Et elle, quand elle me voit, elle a pas envie de lui ressembler. En gros, on ne comprend pas forcément les différentes formes d'intelligence de l'autre. Moi, je pense être intelligent dans la mesure où j'ai été quand même si ça veut rien dire, j'ai été testé à un QI plus de 140. Donc, je sais pas, elle, si on l'a testé, tu vois. Donc, tout ça pour dire que je ne suis pas là pour faire un concours, mais il y a différents types d'intelligence. Il y a des gens qui n'ont aucune intelligence sociale, mais ils sont très intelligents en maths, par exemple. Il faut qu'ils soient séduits par au moins une forme d'intelligence, mais juste ne pas faire étage de votre intelligence. Et si un mec se dit « elle est un peu maligne, machin », moi, quand je vois des femmes qui sont là à répéter bêtement ce que la télé les a lobotomisées, c'est-à-dire le discours, machin, ou répéter bêtement ce que tel ou tel influenceur a dit sans se renseigner de son côté, sans mettre d'esprit critique, sans utiliser ses propres mots. C'est-à-dire que les gens pensent réfléchir, c'est juste qu'ils répètent typiquement ce qu'on leur a dit à la télé, ce que leur a dit Hanouna le soir. Moi, je ne trouve pas ça d'une grande intelligence. Une fille qui commence à être comme ça, si elle me plaît physiquement, si bon, on peut être copain-copain, éventuellement coucher ensemble, mais pour une relation, c'est clair que je demanderai autre chose. En deuxième point, donc, intelligence, deux, la modestie confiante. C'est quoi la modestie confiante? Alors, ici, je vais prendre des pincettes puisqu'on détourne mes vidéos, on détourne mes propos maintenant. Dans une vidéo, j'avais dit que si vous jouiez la femme hautaine, surconfiante, etc., ça pouvait faire peur aux hommes et donc il ne fallait pas surjouer la femme confiante. On a détourné mes propos en me faisant dire qu'il ne fallait pas être confiante. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne, il y a plein de vidéos « Comment être plus confiante ». Enfin bref, une mauvaise foi incroyable quand on veut critiquer quelqu'un. Moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que un mec qui arriverait en disant « Ouais, moi, je suis le plus confiant du monde, je défonce tout, je suis le meilleur », ça ne vous séduirait pas. La confiance, elle est puissante quand elle est mêlée à de l'humidité. À l'humidité. c'est un jeu de mots involontairement sexuel. Quand elle est mêlée à de l'humilité.
La modestie confiante, c'est-à-dire être humble, mais confiante, ça c'est puissant. Ne pas être confiante au fond et jouer la confiance, c'est beaucoup moins puissant. Donc être modestement confiante, être humblement confiante, ça c'est vraiment très très puissant. Conseil numéro 3, être spirituel. Ça c'est une vraie façon aussi d'impressionner un mec. Beaucoup d'hommes sont impressionnés par la spiritualité d'une femme. C'est-à-dire pas être forcément trop terre à terre, j'allais dire. C'est-à-dire, ben, une femme qui est un peu spirituelle, souvent c'est une qualité très reconnue chez les femmes, et un homme peut être impressionné par ça, et franchement ça force le respect. Moi j'aime les femmes spirituelles, je le dis. Conseil numéro 4, une femme qui est chaleureuse, qui fait une bonne première impression, etc. Souvent quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez tendance à être nerveuse. Et il y a des femmes chez qui cette nervosité se traduit par le fait d'être froide, distante, d'être même des fois désagréable, agressive. Non, savoir être chaleureuse, savoir faire une bonne première impression aux gens, eh bien ça va forcer le fait qu'un homme va être impressionné par vous. Avoir un peu d'autodérision, avoir un peu d'humour, rigoler, comprendre les blagues, voilà, ça va aussi être chaleureuse, positive. Ça va également vous aider à impressionner un mec et à faire bonne impression. Je sais que quand on est dans la même vidéo qui détourne mes propos et qui me fait dire n'importe quoi, apparemment cette personne pense que être positive et sourire, c'est un très mauvais conseil de séduction parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un. Non, mais c'est n'importe quoi. N'importe qui, homme comme femme, sera beaucoup plus séduisant en souriant, en étant positif, qu'en étant négatif, en faisant la gueule, en critiquant tout, en boudant. Voilà. C'est juste que ça demande plus d'efforts, mais ça marche plus. Et tourner ce conseil en dérision ne changera rien au fait qu'il est vrai et qu'il marche. Donc avoir un peu d'autodérision, un peu d'humour, oui, ça peut impressionner un mec, d'autant que l'humour est une vertu qui se perd beaucoup. Qualité qui se perd beaucoup. Conseil suivant, ce qui peut impressionner un homme, c'est une femme qui va proposer un rendez-vous. C'est-à-dire que quand vous êtes en rendez-vous, vous allez proposer de l'inviter. Vous allez proposer de payer, vous allez proposer de vous revoir, vous allez proposer d'aller chez vous. Vous allez proposer quelque chose. Même avant le rendez-vous, vous allez proposer le rendez-vous. Souvent, les femmes, souvent, beaucoup, se laissent porter, voire freinent. Elles ont envie, mais elles freinent. Alors, pour ne pas passer pour une fille facile, pour être un challenge, pour plein de raisons, pour ne pas être acquise, tout ce que tu veux. C'est l'homme initie, fait des efforts, et la femme freine. Voilà. Ses efforts à elle sont dans le fait d'annihiler les efforts de l'homme. C'est effectivement mauvaise chose pour la coopération homme-femme et pour le fait que votre relation soit saine. Donc, moi, ce que je vous conseille, par exemple, vous pouvez juste proposer de payer votre part ou proposer de l'inviter la prochaine fois ou proposer d'inviter, c'est déjà énorme. Si vous saviez combien de femmes j'ai eu en rendez-vous relativement impolies, c'est-à-dire que tu les invites chez toi, par exemple avec le confinement et tout, tu peux faire les rendez-vous chez toi, avec le couvre-feu, elles viennent, mais partent du principe qu'elles s'amènent elles-mêmes, leur chatte, ça suffit, tu vois. Moi, c'est un critère de sélection, c'est-à-dire oui, on peut être copain-copain, je vais coucher avec elle, mais je ne vais jamais me mettre en couple avec une fille qui n'a pas d'éducation. C'est-à-dire, quand tu es invité chez quelqu'un, tu proposes au moins d'amener quelque chose. Quand quelqu'un t'invite au resto, tu proposes au moins de payer ta part. C'est-à-dire pas quand quelqu'un t'invite, mais quand, on va dire, quand vous êtes vous convenez mutuellement d'un rendez-vous à un resto. Ça ne veut pas dire que le mec doit dire oui, moi souvent j'invite les filles. Mais le fait qu'elle propose dans une ère où tout le monde lutte pour l'égalité, eh bien, c'est bien vu. Ou alors qu'elles disent, ben là, tu m'as invité, oh, merci beaucoup. Déjà, de dire merci, c'est apparemment beaucoup demandé. Merci beaucoup, la prochaine fois, c'est moi, tu vois. Donc ça, c'est quand même pas mal. Conseil numéro 7, effectivement, pour impressionner un homme, il faut vous respecter. Beaucoup de femmes ne se respectent pas. Se respectent pas dans le sens où un mec peut les traiter mal, elles vont tolérer, vont se mettre dans des histoires de merde, elles vont, voilà. Commencez par savoir poser des limites à un homme, sainement, fermement, mais avec bienveillance, juste pour que la relation se passe bien. Mettre des limites, vous respecter, etc. Tout ça, ça va être très très bien. Et bien sûr, on peut impressionner un homme par son physique, en étant super bien habillé, en étant super joli, en étant, voilà. On peut impressionner un homme par un talent, en étant musicienne, en étant super sportif, en ayant des aptitudes physiques de ouf. On peut impressionner un homme plein de façons différentes, en étant extraordinaire, une bonne amante au lit. On peut faire plein de choses. Voilà. Voilà, les amis, en étant extrêmement riche, en étant, voilà. On peut impressionner un homme de plein de façons différentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, c'est toujours apprécié, un retour. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne qui s'affichent à l'écran.
Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.